lance une petite VOD pour le chapitre 9 de Resident... Pardon. Resident Evil 4. Je vais re-sauvegarder. Parce que maintenant, je le fais tout le temps, deux fois. Parce que ça va bien. Et puis c'est parti. Résultat du chapitre. C'est quoi résultat du chapitre? Ah, c'est ce que j'ai complété. Oh, on a le temps de jeu à chaque fois et tout ça. Ennemi tué 50, mort 7. Précision 85,8. C'est bien. Attaque subie 19. Incroyable. Je suis morte beaucoup. Ok. Eh ben, c'est espace. On a peut-être une petite cinématique. Je cache ma cam. Non, on a juste, comme d'hab, une petite conversation là. Avec Louis. T'es où? Désolé. Mince, faut que je mette plus fort. Viens me sauver, prince charmant. Tu sais ce qu'il te dit, le prince charmant? C'est bon. Il tend. Je suis dans la salle de bal après la cour. Sois pas en retard pour la danse. C'est quoi? Mon cerveau, c'est se synchroniser sur le... Il a des ennuis. Sur le level des persos du jeu. Mais en fait, non, mais à chaque fois, en fait, j'ai pas le contexte de toutes vos phrases tout le temps et il faut constamment que j'essaie de toujours tout remettre en contexte. C'est lourd. Alors, voilà. Du coup, on a récupéré Ashley. Elle est infectée, Léon aussi. Et personne n'est content. On l'a retrouvée ici. En train de me pleurer. Parce que je... Parce qu'elle a des soucis. Et maintenant, on va essayer d'une... De se désinfecter de la plaga qui est en nous. Et de deux... de pas mourir et de partir. Je regarde encore, j'avais 203. Ouais, mais attends, je regarde mon coffre, là. Non, parce que j'ai une gestion de mon coffre qui est extrêmement compliquée. Parce que, en fait, j'ai pas de balles. C'est pas mon coffre qui est compliqué, c'est le fait que j'ai pas de balles. On va, je pense, racheter une malapéteuse que j'ai vendue. 20. Je sais pas s'il faudrait que je la réaméliore, je sais pas. Là, on va faire un petit cocktail avec ces trois trucs-là, je pense. On a ça et on a ça. Voilà. Je peux me faire des munitions de peupon. Ça, je te dépose. Toi, je te dépose. Tu m'as saoulé. Et voilà. Désinfecte-toi d'Ashley. Elle est pénible, je suis tout le temps, elle sert à rien en combat. C'est vrai que niveau parasite... Non, elle, en vrai elle est sympa quand même. Moi j'aime bien moi. Est-ce que j'ai du loot dans cette salle? Non, je vais sauvegarder. Parce que là je viens de looter des trucs. Ouais, on est à ce stade là. Et je sais plus où j'en suis. Voilà. Je vais sauvegarder et je vais essayer de choper le vendeur dès que je peux. Je crois qu'il est pas loin. Pour pouvoir un petit peu m'équiper et re-choisir les bonnes armes et tout et tout. Ah bon, on fait un petit tour du jardin. Donc on est dans le château. Et il y a des corbeaux qui franchement se rapprochent du raptor au niveau taille. Mais ils sont sympas, donc je les tue pas. Même si je suis sûre qu'il y a des succès à la con, hein. Et je suis sûre qu'ils peuvent looter des trucs. Oh, wouah ! M'a fait peur. Regardez-moi cette mâchoire. Et ils sont vraiment plus flippants que dans le 4 original. Ouvrir ça ou pas? Non, évidemment. Non. Non. Je ne peux pas.
On trouve des sous, bon, bah, c'est pas énorme. Mais j'ai pas vu, il y avait Léon qui gênait. Arrête. Heureusement qu'ils ont pas trop de vie, hein. Ça va être une bonne idée de leur ouvrir. Je vais faire ça tout à l'heure. Je cherche le vendeur. Et je cherche d'autres trucs. Elle m'agace avec ses petits bras en l'air. Oui, ça m'énerve aussi. Elle est tout le temps comme ça. Ashley est tout le temps comme ça. Je vais lui dire, fais un truc avec tes mains. Au lieu de te tortiller comme si elle a envie de faire pipi. En vrai, le stress, ça donne envie de faire pipi. Ça me sert à rien hein, d'être allé là. Ça me sert à voir quoi. Pas un vendeur vraiment. Là y a un truc à faire. Là y a un loot là. Moi c'est le loot hein. I want some loot. Mais je parle pas de l'instrument de musique. Mais comment j'aurais pu. Comment j'ai même pas eu le temps. L'animation de tendre le bras pour lui tirer dessus est plus long que le moment où il arrive au niveau de mon écran et où il me saute dessus. Alors comment ? Arrête ! Il me fait bully ! Il y a un serpent ! Dégage ! Dégage, Ashley ! Tu serpent ! Ashley ! Tu tiens ! Non mais il m'a niaqué un coup et il se barre. Mais aussi c'est Léon, il devrait lui filer une arme là, moi j'ai plus de... Le bidule tout en haut. Ah non, j'ai pas vu de bidule. Ah, il dit Dancy, il dit bidules. J'y retourne de ce pas. Pour voir le bidule. Ah ouais. Il y avait un bidule. Il y a un chien, je l'entends. Oui, je l'ai vu. Mais bon, c'est nous, on devrait pouvoir lui donner une arme. Au moins, je sais pas... au moins des cailloux. Ah, punaise. Vache. J'aime bien hein, ce petit stress que ça te met en vrai. Hein. C'est très cool. J'aime beaucoup. Oh, ça, je veux ça. Ils sont essoufflés tous les deux. Bon, ils sont malades. J'ai mis du temps à comprendre que ça venait de ça, mais c'est un peu lourd. Elle est là. J'ai pas trouvé beaucoup. Hein. Avec sa position, on dirait qu'elle sort d'un bain d'eau glacée et qu'elle se dégèle. Elle a peut-être vachement froid, il a pas l'air de faire chaud chaud. Hein. J'ai eu un réflexe. Hein. Je peux ouvrir la porte? Ah mais j'allais tester pour le fun. Elle vient de dire qu'est-ce que tu veux, les chiens m'adorent. Elle avait littéralement un loup-garou sur la tronche, je me dis. Qui sait. J'aurais été deux avec les bêtes. Par contre, j'ai que deux armes, c'est normal. Putain, qu'est-ce que j'ai foutu. Oh non,
je voulais le loot. Fuck it. Bon. Ça va être long. Ça va me demander plein de balles, ça va être long. Ça va me tuer, ça va être long. Je sais pas ce que je vais viser. J'en ai aucune idée. Je sais pas si c'est la base. Si c'est la tête. Je sais pas. Ok. On va faire un petit cocktail. Oui! Un bel échiquier! Oui, avec deux pièces, hein. Trop pourri la partie. J'ai le loot. C'était important. Ah oui, tiens. Ok. Tout ça pour dérouler une nappe, c'est pareil. Non, c'est des sortes d'étendards. Mais c'est vrai que t'imagines à chaque fois que tu dois ramener les courses, quoi. Ah, la flemme. Designé par des mecs qui l'a détesté ou quoi. Ah c'est... Franchement comme je dis, hein, de mon souvenir elle est quand même moins pire que l'original, hein, c'est dire. Hein. Hop là. On sort Niro. Hello hello. Oh non. Un peu chiant. Un peu chiant. Ok. Ah! Grenade aveuglante. Ça m'arrange pas, moi. Je veux tuer les mobs. Oh, je croyais qu'il était debout. Ça fait peur. Je veux des grenades classiques. Ah. Okay. Ashley, faut que tu maintiennes ça apparemment. Non, vite, 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 vite. Bon, si des loups viennent te voir, tu t'accroupis pas en disant « Viens mon toutou !» Bah, faut que tu survives en fait. Faut que tu aies un petit peu de volonté de survivre. Sois prudent. Toi-même, ouais. Ah, c'était ça. J'entends un serpent ? Pas du tout, je sais pas. Saviez-vous, Albert Einstein avait un frère nommé Frank. On va enfin pouvoir sortir de ce labyrinthe. Et c'était quoi son nom de famille à Frank? Pardon, je suis facile. Ashley, cours! T'es dit! Et un peu de volonté de survivre. Ah, mais mince, faut pas que je passe par là. Mais j'ai plus de balles, j'ai plus de flingues, j'ai plus rien. Non mais j'y arrive pas. Voilà. Voilà. Flemme. Un loup dressé, c'est gentil. Un loup normal, c'est gentil. Pas méchant, un loup. Méchanceté, ça existe pas chez les animaux, de toute façon. Un concept purement humain, ça.
Comme Jim Carrey, le frère de Maria. Excusez-moi, j'ai vu un loot. Je vais essayer d'y retourner pour le retrouver, mais je pense que c'est foutu. Parce que c'est un labyrinthe et que ça va être compliqué. Re, petit Dilo. Voilà, j'ai mon loot. Allez. Je vais faire un petit tour. Nice. Oh, j'entends des bruits tellement dégueu. Non mais reste pas près des trucs là. Reste pas près des buissons. Avec une arme normale, mais c'est impossible hein. Merci. J'ai plus de balles. Y'a quoi là-haut? Oui. Est-ce qu'il y a un as? Ah non, mais c'est d'où je viens. J'ai dit oui pour rien. Je pensais que c'était le vendeur. Pas du tout. Ah, il est là. Il est là, le copain. Il n'y a toujours pas l'ascenseur pour pouvoir aller. C'est quoi dans la flotte? J'ai entendu un plouf, mais énorme. On a entendu un plouf, on est d'accord, hein? Vous croyez que c'est juste un poisson? Ah ouais! Ils ont mis des poissons! J'irai chercher mon arbalète. J'aime assez de balles dans Resident Evil. Ouais, c'est vrai ça. Nouveauté qui devrait t'intéresser. Bienvenue! J'ai quelque chose de nouveau pour toi. Des nouveaux trucs à échanger. Colis d'explication. Comment? Tu veux savoir où on a déniché ces merveilles? Franchement, non! Attends. Il vaut mieux pas... Attends. Déjà, je me gratte l'œil. Ensuite, on va. On va essayer de compléter ce truc. C'est un truc carré. C'est pas un truc carré. Ah là, il en faut plein! Pas s'il faut. Bon, ça, je pourrais le vendre. Tu voudras. Et ensuite, je vais pouvoir crafter des munitions. Mais ça, là, ça, je manque tellement de cette ferraille. Ah, la vipère. Les richesses que ça... Je vais la vendre. Quoique... J'ai pas tant... Ah, si... Je sais pas. Peut-être pas la vente, c'est du soin quand même. J'ai quelque chose de nouveau pour toi, l'ami. Trésor ou babiole, ça n'a pas d'importance, merci. Rien de plus facile. Comme oh, les réparations qui me coûtent une tétra-blinde. Ah, je peux l'améliorer encore plus. Oh, mais ça, ça coûte trop cher. Entre de bonnes mains. On se demande si elle travaille pas pour les mecs d'en face. Ashley, bah en vrai un peu, parce qu'elle est infectée. En vrai, oui, ce serait possible. C'est complètement possible, probable. Tout à fait. À quoi tu tiens le plus? À ton argent ou à la vie? Le choix est vite fait, l'ami. J'allais dire à ta mère, mais je le dis pas. Mais je suis contrarié. Je vais racheter mon TMP. Tu vas tous les transformer en passoire. Reviens quand tu parles. J'ai pas le choix. Alors. C'est l'inflation. Mais le problème... Bon d'accord, si c'est cher. Donc j'avoue, j'ai dit le problème, c'est pas tant que ce soit cher, mais si. Mais c'est aussi que... J'ai pas de balles. Et je suis obligée de prendre une arme
où je peux me crafter des balles facilement parce que ça nécessite ça et pas ça. C'est quand même un comble. Mais ouais. Je vais prendre aussi là tout de suite, mais je vais la virer après ça parce que on va choper du. Ouais, mais je pourrais pas le prendre. Ah. Déposer. Nous le poisson. Le pochon. C'est un pochon ça. C'est un pochon. Ah. Le pochon. C'est un pochon. J'ai pas récupéré. Le pochon. J'ai pas cette place. Si tu fais ça, couillon de jeu, laisse de place. C'est pas compliqué la vie. Ok, on va vendre ça. On vend quoi ça et la vipère ? Bon, en tout cas, je vais mettre le petit truc qui me fait des bonus de revente d'objets de soins. On fout, je le mets. Bienvenue. J'ai plein de choses intéressantes à vendre, étranger. La vipère, c'est du mille. Les richesses que tu amasses te serviront à rien dans la tombe. Les poissons. J'en garde un. Une affaire bien conclue. Ça, après, je peux les vendre. Je peux améliorer la puissance de toutes mes armes, là, regardez. Une arme modifiée permet de compenser un manque de compétences, l'ami. Un manque de balles aussi. Je joue souvent à des jeux où il faut pêcher. J'adore les jeux où il faut pêcher. Pardon, j'écris. Mais je voulais faire un jeu de pêche en plus aujourd'hui. Peut-être qu'un jour je le ferai. On verra. Ma marchandise est en parfait état. Je te le promets. Il est très insultant ce monsieur quand même. Ah, il est taquin, il est taquin. A besoin qu'on s'en occupe. La vie ne tient parfois qu'à une lame bien aiguisée. Est-ce que je fais bonne route ? Je vais voir, j'hésite. Pour les améliorations. Ça, je garde parce que ça me fait du soin. J'aime pas quand ça se met mal. Oh, le couteau, je pourrais le mettre là-haut. Ouais. Allez. Ma casse, allez. Il veut pas faire... Il fait rien qu'à m'embêter, le jeu. Ah, mais non, mais là, c'est là où je mets mon peupon. C'est là où je mets mon peupon. Je suis obligée de le garder, le peupon. Je suis obligée. Je peux pas. Ok. Et je vire quoi? Je vire l'arbalète? Oui, je vire l'arbalète. Voilà. En espérant que... J'en sais rien. On va voir combien ça demande. Non, je vends ces trucs-là. Hein. Une arme modifiée permet de compenser un manque de... Ouais, le poisson, il peut me servir de soin. C'est pour ça que j'en ai gardé juste un. Parce que là, j'ai qu'un truc qui peut mettre full vie. Du coup, je veux le garder vraiment en cas d'extrême urgence. Et un poisson qui pourrait m'en donner un peu, genre mid-life.
Du coup, bah, vu que le poisson m'a rien coûté, j'en garde un. Vu qu'il, franchement, je le revends 1000, c'est vraiment pas énorme. Donc voilà. C'est un travail qui demande de la finesse, étranger. Je vais garder un peu des sous. Ça va m'être utile parce que c'est l'arme dont j'ai des balles pour le moment. Et après, je garde mes sous pour pouvoir améliorer mes armes que j'utilise le plus, mais dont j'ai pas trop de balles actuellement. Et je peux en crafter, mais vu que j'ai une ressource qui m'est très utile pour crafter, je vais attendre vraiment d'être sûr de l'arme dont j'aurai besoin avant de crafter les munitions suspensionnées. Est-ce qu'il y avait d'autres poissons ? No. Mais très bien ce petit coin de farm. En vrai, je suis sûre que si je faisais pareil avec les oiseaux, je pourrais loot des trucs, mais j'ai pas envie de gaspiller des trucs pour les oiseaux. En plus, c'est des raptors, je pense qu'ils vont se venger. Franchement, la vengeance des raptors. Fallait que j'aille là-bas. Et oui, là, j'allais rebrousser chemin. Je suis coincé. J'ai pas tout qu'un raccourci. Si, j'ai tout qu'un raccourci. Quoi ? Mon peupon en numéro 3, mais jamais de la life en fait. Et ça je mets là, et voilà, là c'est mieux. Ça se mange les corbeaux dans ce jeu ? Bah les vipères aussi. Enfin les vipères se mangent, donc les corbeaux c'est sûr que oui. Ah ouais, alors je t'ai pas prévenu, ici il y a une ambiance. Hein. Ah ! J'ai pas d'armes ! Oh mais quel enfer ! Excusez-moi, j'étais en train d'essayer de comprendre ce que j'avais en face de moi. Non mais au bout d'un moment, c'est même pas un organisme qui possède, c'est une... Ah punaise, cache des balles. Des spinelles. C'est toi qui marches là-dedans, putain, je croyais que c'était un qui se réveille. C'est qui se réveille? J'avance. La vache. Y'a quoi ici déjà? Je vais me rappeler. Normalement j'ai tout. Ah oui, c'était là. Ok, oui, j'ai tout. Parce que je touloute toujours. Non, c'est pas vrai. Des fois, je touloute pas et je suis dégoûtée. Tiens, s'il te plaît. Compris. Eric sort de l'armure, mais oui. Les gars autour du feu de camp, ils sont déjà morts en fait. C'est ouvert. Bien joué. Non, je suis Bupou. Attention, Bupou. La lignée des Salazar touche à sa fin. Un petit peu trop, excusez-moi. Pour guérir Ramon de sa maladie, sa mère Catalina a fait entrer le diable dans leur maison. Voici un bref historique des membres de cette prestigieuse lignée. Première génération, comte Gregorio, le conquérant Gregorio mena ses hommes pour éradiquer le mal qui s'était abattu sur le château. Reconnu pour savoir-vouloir, il reçut le titre de comte et se vit confier la mission de garder les démons à l'écart pour les générations à venir. Deuxième génération, comte Hippolyto, le Selleur. Au prix d'immenses efforts, Hippolyto parvint à sceller le fléau des démons échappés des profondeurs de la terre. Il succomba aux blessures qu'il reçut au combat. Troisième génération, comte Gregorio, l'architecte. Poussé par une paranoïa irrationnelle, Gregorio dilapida une bonne partie de sa fortune dans les défenses du château et dans les mécanismes aussi nombreux que farfelus. Mais oui, c'est pour ça qu'il y a plein de trucs chelous. Quatrième génération, comte José Alonso, le paisible. Alonso s'efforça de restaurer la fortune et l'honneur de la famille. Cinquième génération, comte Alejandro, l'extravagant de nature enjouée. Alejandro fit construire une cour et une salle de bal. Il mourut prématurément. Sixième génération, comtesse Maria Isabel, la dame veuve d'Alejandro. La comtesse Isabel régna de 11 années avant de mourir à l'âge de 90 ans. Septième génération, comte Diego le Sévère. À l'instar de son prédécesseur, Diego était très strict. Il fut assassiné par un diable.
8e génération contre Ramon, sa maladie aurait dû l'emporter. Tout ça pour nous dire qu'au final, le dernier, c'est le plus pourri. Oh! Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire moula, Ashley! Et where? On retourne voir le vendeur. On va voir ça tout de suite. On va se faire. C'est pas par là. On va se faire un max de pognon. Ah mais je vais dans la mauvaise direction, je vais aller dans la direction du vendeur. Effectivement, super ambiance. T'avais prévenu, hein. Ah ici c'est un concept. Genre... Ouais désolé, je te fais faire des allers-retours ma grande, mais bon. Tu vas vendre ce que t'as trouvé. Salut étranger. Maline. Bien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu peux m'acheter des trucs, c'est pas assez. Je savais pas combien ça coûterait. Tout et merci. Mais si je vends ça et ça en plus. Je crois que je vais vendre ça, hein, tant pis. Hein. Ah, j'hésite! Parce que si je mets les ornements qui me manquent, ça pourrait rapporter plus. Trésor ou babiole, ça n'a pas d'importance. Le prix, par contre, c'est nous qui le décidons. Non. Reviens quand tu veux, surtout. Je sauvegarde et puis je fais ici. Je sais pas ça que je vais faire. Ah, mais faut aller que je change. Hein? Mais j'avais d'autres porte-bonheur. Ah, ils sont... Oh là là, j'ai eu peur. Mettre à gauche, voilà. On se tire. Une petite save auto ici. Ok. Du coup, faut que je prenne l'escalier. Et là, c'est la bonne direction. Il n'est pas en forme, Léon. Je vais lui filer un poisson. Je pense que c'est bien. Je vais lui filer un poisson. Ça, je mets ça là. Ah, je savais pas. Je fais tellement d'ail. S'il te plaît. Mais s'il te plaît. Recharge. C'est 6 fois que je lui demande. Encore une? Oh, quel enfer! Mais j'ai pas de pain! Ça va. Mais qu'est-ce que je joue ici en fait? On va où là? En vrai, je sais pas, hein. On va aller là-bas. Ça a l'air d'être la bonne direction. Là, il y a le vendeur, il y a un autre vendeur ici. Ah oui! Bah non. À toutes. Il n'y a pas de mal à se faire plaisir. Mais par où je dois aller en fait? Je vois pas mon objectif. Et que j'aille là-bas. Au pire, si je fais le tour,
On va loot les... Ah mais il y a du monde. On va loot ce que j'ai pas loot tout à l'heure. Mais il y a du monde quoi. Là il y a un trésor là. Mais je comprends pas où il est. Hein. Accroché. Allez, avance. Oh punaise, il fait attention lui-même, je voulais pas. C'est tout en haut. D'accord, mais comment je monte? Il y a des trucs que j'ai pas pigé ici. Hein. Je sais comment passer, mais je sais pas du tout comment monter. Genre là, je vais descendre en fait si je vais là. Super, bravo Lox. Vraiment une génie, meuf. Je sais pas si c'est par là que je dois passer en fait. Je pense pas. Je sais pas. Mais bon. Salut, étranger. On peut labyrinthique le truc. J'ai pas de mal. Heureusement j'ai de la poudre noire mais bon je la garde précieusement. Enfin surtout la ferraille qui manque. Allez. J'espère que je fais pas tout le tour pour... Mais je pense que si, là je suis en train de faire le tour pour rien parce que je suis sûre que... Je sais pas. Je suis sûre que c'était pas... Que c'était pas si con de passer par là où j'y allais. Je vais la flemme. De la qualité, rien que de la qualité. Non, j'ai pas besoin d'aller là. Ok. Faut que j'aille par là et que j'aille ensuite là. Ah oui, là. Non. Ah. Cette porte-là, ok. C'est ça, hein. On peut pas mettre de points. Donc c'est ça alors. C'est là. Du coup cette porte peut s'ouvrir. Je pensais pas. Ouh, trop classe. La salle de bal doit pas être loin. Puis un vendeur là en plus, je me prends la tête à faire des allers-retours. Il y a un ascenseur. Médaillon bleu, let's go, on va faire les médaillons. Un nouvel ami qui vient de mettre la main sur des améliorations, des outils de... Attends, des outils de haute qualité pour les améliorations, bref, j'ai compris, je l'avais remarqué, il y avait de meilleures améliorations, mais je m'en fous, on va faire ça maintenant. Yes. J'ai pas du mal à toucher une... Attends, je voulais pas faire ça, je voulais voir... Un truc comme tout à l'heure, ouais, tiens, porte. Ouais, non, c'est juste moi qui ne sais plus où aller. Mais je voulais pas faire ça, en fait. Oh, je vais recommencer. Mais je voulais pas faire celui-là, je voulais voir... Allez, dégage.
Oh, c'est long. Non, mais je voulais refaire. Je peux pas annuler. Si je m'en vais. Ah, je peux pas. Ça va, elle est calée, celle-ci. Non, mais je. En fait, je veux pas faire cette épreuve. Je voulais faire l'autre, là. Celle que j'ai pas encore faite. On va attendre. Oui, merci. Je sais que tu peux faire mieux. Oui, en fait, je voulais voir. Voilà, en fait, je voulais faire défiler avec la souris. Je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai voulu faire ça comme ça. TPM, TMB. Ah, c'est des chiens. Ok, je savais pas qu'il y avait des chiens. Ah oui, je me suis trompé, oui, j'avoue. Parce que je tirais dessus au truc d'avant. C'est fait. Ouais, t'es très... tranquille là. C'était pas malin de recharger maintenant. Ouais, pas fou. Non, c'est pourri. Si tu veux te débarrasser rapidement des cibles, il faudra faire une croix sur la précision. 3, 2, 1, allez! Exceptionnel. Voilà, c'est ça. Merde. Il aurait fallu que j'attende qu'il soit plus proche. J'ai pas les crânes. J'ai pas les crânes, fais chier. Mais la ferme! Encourage-moi! Merde! Je vais naufrer. Oh, j'aime pas cette arme. Je l'ai à peine améliorée d'ailleurs. Non, c'est pourri, meuf. Oh, j'avais pas vu, celui-là il a un. Ok. Pas eu là. Mais merde! Oh tant pis. Hein. On fait quoi si on tue tout? On fait combien de points? Ouais, si on vise bien, ça fait un peu plus. Faut que je fasse les crânes! Mais j'ai pas tiré du tout sur lui. C'est 2000 points, c'est pathétique. J'aimerais trop recommencer. Exceptionnel.
Mais pourquoi là ils me laissent pas alors qu'il me reste encore 15 secondes? Ah oui, parce qu'il faut qu'ils fassent leur pattern. Mais c'est bizarre qu'il me reste 15 secondes alors qu'en fait non. Bon, j'ai testé les autres épreuves après. Ok, je m'en sors mieux. Zut! Non, allez, vite, vite. Moi, j'ai pas le temps. C'est mort. 6005, ça aurait pu être bien. Pas bien. Non, pas du père. Après, je teste l'autre épreuve. Allez, je les tue. Il faut combien pour avoir S? Ah, 8000. Ah, je suis loin. C'est quoi ça? Anti-émeute. Bon, je viens juste de l'avoir, celui-là. Mais j'aime bien. Ça aurait pu être pire. Zut. Dommage. Ah déjà? Elle est marrante, cette épreuve. Je peux faire bien. Oh merde! Oui, je me suis trompée, oui. Dut. Bon, je m'en suis pas trop mal sortie avec celui-ci. Yes. Oh, j'étais presque à 11 000! Ah bah j'ai tout eu. Trop bien. Et du coup, fusil anti-émeute... Ah, fusil anti-émeute, je préfère, mais bon, je sens que vu qu'il faut que je mélange les deux, ça va être l'enfer. Faut pas être fou. Genre, ah. Je vais essayer celui-là, mais bon. Le premier, je pense que j'y arriverai pas.
Non, allez. Allez, recharge. Ah mince, j'appuie sur E. Merde. Ah merde, j'appuie sur E. Bon, S, je dois bien. Je vais retenter le niveau S avec celui-là, mais pas ce problème. Moi, oh, j'ai eu. Je m'encourage pas beaucoup. Hein. Là j'ai pas de bonus, pourtant je finis tôt hein. Je finis tôt. Oui mais si je réussis pas le rang S. Je réussis une ou deux fois mais... Mais j'étais vraiment au centre là. Je suis pas dingus quand même. Dommage, il me reste un. J'aurais pu avoir un bonus de truc. Allez, dernière quand même. Non mais là j'étais pas loin du bonus, je suis sûr. Faut que je fasse vraiment beaucoup plus tôt. Je suis pas loin. Vraie dernière. Bon, c'est foutu là. Ça se passe pas bien là. Ça se passe. Je peux recommencer, monsieur. Bon là je retente vraiment parce que c'est pas bien. Bon 3002, allez.
7000. Bon. Tant pis. Celui-là, il m'a saoulé. Bon. T'as fait ça toute ta vie, à vous. Je sais pas comment on est censé répartir le jeton. Oh, mais c'est un pourri. Bonus de création. Mais j'ai que ça, en fait. C'est... J'ai que des bonus de création de pistolet. Oh, mais c'est pourri. Création de mission de Magnum. Ça dégoûte. De la ferraille moins 40%, mais le problème c'est que la ferraille que je veux, elle est jamais vendue. Et galère la petite, hein. Galère un peu. Bon, je suis très contente d'avoir eu le stand de tir. C'est quand même trop cool. J'adore cette feature du remake. Ouh, toi tu dégages l'odeur du combat, l'ami. Bien. L'odeur de la vérité. J'ai plein de choses intéressantes à vendre. Oui. Mais moi j'ai plein de choses intéressantes à pas pouvoir acheter. Faut bien entendre. Besoin qu'on s'en occupe. La vie ne tient parfois qu'à une lame bien aiguisée. Bon, on va réparer ça déjà. C'est du bon travail, si je peux me permettre. J'aime bien augmenter la puissance d'une de mes armes quand même. Mais celle-là, bon, je l'ai juste par dépit, quoi. Et du coup, à quoi comme ferraille, il n'y a que celle-là. Hein. Celle dont je ne manque absolument pas. Ce que tu vois là, c'est tout ce que j'ai. En quoi fait bonne route? N'oublie pas qu'arme à feu rime avec jeu, étranger. Ah. J'ai pas de balle. Oh, j'ai tellement pas de balle. On va attendre avant d'en fabriquer. Je vais peut-être en trouver. Et je vais regretter d'avoir fabriqué celle que... Hein, voilà. Salto Tionce. J'espère que t'as pas le mal des transports, au moins. Sinon, il va te gerber à la gueule. Je crois qu'on y est. Oh, dommage. Je pensais qu'il y avait un petit passage dans un train et tout ça. Bah non. Je suis là. Ah, ça nous ramène ici. D'accord. Là, il y avait des trésors. Il y avait un truc ici, hein. Il y avait des trésors et tout, hein. Mais ils sont dans la moula, quoi. J'avais pas tout loot. Oh mais ouais, mais y'a du monde du coup. Oh, flemme de fou, non. Non mais je peux pas... Non mais je peux pas... Mais en plus c'est pas ici que je veux aller. Mais non. Attends, si je fais ça. Bah non, en plus. Moi, j'ai aucun intérêt à aller ici. Excusez-moi, je me suis trompée. M'écris pas, oh, viens, suis-moi plutôt. Hey! J'ai aucune idée d'où je vais aller en fait. Oui. C'est bien pas là du tout qu'il faut que j'aille. On va reprendre le train, je crois.
Non, mais c'est pas du tout là que je devais aller, quoi. Hello, Zikoun. Ça va, tu? Oui, ça va. Ça va, ça va. Je commence à être un peu fatiguée, mais ça va. Toi, tu racontes quoi? T'as été ta journée? J'ai dit Jikufun, mais je l'ai dit très vite. Étranger. Mais dire Jikufun. Je suis bientôt, je suis sur Tlou là. Ah, t'es sur la série ou le jeu? Regarde, il y a une statue là-haut. Bon, y en a plein des statues en fait. Y en a tout plein. Mais j'avoue, celle-là, elle est stylée un peu. Ah oui, j'ai plein d'éléments à trouver pour les greffer dessus. Ok. Les rats. Faut tuer des rats, il faut trouver des trucs bleus. Et ben on va faire ça. Je peux utiliser de balles. Je peux utiliser de balles. Des os. Des os, hein. Oh. Une statue de serpent. Moi, oh, j'adore ces pièces. Une salle à manger. Oui. Manger ici? Non, merci. Non, mais c'est comme ça que ça s'appelle, salle à manger. C'est pas, ça veut pas dire qu'il te propose de manger. Ouais, quand même. Elle est vraiment essoufflée en permanence. J'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire. Non, non, non. Et sinon, t'en as beaucoup des missions dans ce genre-là. Écoute, Ashley, c'est déjà assez compliqué là, ouais, s'il te plaît. Hein. Sauf que je suis pas toujours aussi bien accompagné. Essaye de prendre la plante. Prends-le comme tu veux. Ah, oh, c'est bon, vous baiserez plus tard. J'essaie de comprendre ce que je dois faire. Ok. Alors que je recrée une mélodie, c'est ça? Je suis pas prête si c'est ça. Hein. Je suis pas prête du tout. Alors, ordre. Ok. Là, si on fait ça. Quel enfer! Ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué. Hein. Alors je trouve un peu plus indice parce que là j'ai 0 indice. Mais par contre je peux la laisser là la petite en attendant et ça, ça me va très bien. Des vieux hémoglobines dark, bonne nuit. Espérant que le dos arrête de me faire mal. Bah bon courage, peut-être une douche chaude ça fera du bien. Ou un bain. Ah d'accord. Elle est là et lui il est là. Mais du coup faut que je trouve une assiette vide alors. J'ai assiette vide et bah tout est vide en fait. Possiblement ça. Tu veux mieux mettre là. Ashley. Compris. Je crois que moi c'est ça. J'ai vérifié. Ah non c'est ça. Je suis sûr que c'est ça. Non, c'était pas ça, c'était pas ça. Mais j'ai pas regardé. Ou alors c'est celui. Non. Attendez, il y avait du. Ah, c'est celui-là. Il y avait du pain, mais il y avait l'assiette qui était vide. Ah, et la bouteille était où? Ah, c'est ça alors. Voilà. Je sais. Je sais que je t'impressionne.
C'est normal. Une tête de serpent. Laisse-la jusqu'à la fin du chapitre. J'avoue, tu veux pas rester... Je peux plus. Merde. C'était intéressant sur le principe. C'était intéressant. Ma tête de serpent. Oh, je t'ai vu toi. Non mais mes passes sont précieuses. Ça rentre. J'ai déjà merci. C'est Ashley. On peut toujours rentrer. Toi tu dégages l'odeur du combat, l'ami. Ah mais je vais prendre ça. Je peux pas me faire chier à prendre mon arbalète. Flemme de fou. Par contre, c'est vrai que j'ai cette arme-là qui a plein de balles. Ah, zut. Tu me gênes un peu. Je veux pas éclater avec la balette, c'est donc là si, mais bon, flemme de rechanger après. C'est ce que je voulais faire justement, je voulais aller chercher l'arbalète, mais... Mais bon, comme ça, ça marche aussi, ça me demande pas beaucoup de balles, donc... Ça roule. Et en plus j'en ai retrouvé là, donc c'est bien. Est-ce que je peux casser ça? C'était purement gratuit, il n'y avait aucune raison que je casse ça, mais je voulais savoir et je ne peux pas. Évidemment. Oh, il s'en va. Attends, je fais un truc important, j'arrive. Voilà. Plus de balles. Laissez-moi. Zut. J'ai peut-être pas eu un super sens des prios là tout de suite. Quoi ce vieux JPEG de porte là? Oui, je sais qu'il faut pas qu'elle soit capturée, mais bon, elle est si facilement capturable. Je peux pas passer. Ah, je l'ai déjà pété l'idole, ok. Ah non, elle est là. Attends. Voilà. Non mais d'où il est arrivé lui? Non mais je peux pas le choper lui, je pense qu'il faut que je fasse le tour. Merde, j'ai déjà plus de balles. Arrête de m'appeler, ça me déconcentre de fou. Ah, dommage. Ça c'est dommage.
Tu veux pas lui faire un flingue? Bah non, je peux pas. Tu peux même, elle ne pas tirer. Non, on peut rien lui donner ni prendre. Ce serait pratique d'ailleurs, parce que ça pourrait, elle pourrait aussi porter des trucs pour nous, vu comme on est limité. Mais non. Non, non. Ça bouffe un max de balles et tout. Bah oui, mais j'y peux rien en fait. Les seules balles que je peux crafter facilement, c'est les balles auto de d'armes automatiques. Donc là, tout de suite, c'est pas un choix. Putain, je vais péter la gueule. La gueule. Hop là. Allez, j'ai plus rien. Bon, vas-y, non. Et l'autre qui gueule à côté. On a tous des problèmes, Ashley. Je passe par un autre chemin, je pense. Oui, tout à l'heure il est mort tout de suite et là il meurt pas. La tristesse. Et non, mais nous là. Une patate. Il a pas peur de Joël, mais va te faire foutre. Arrête de m'appeler s'il te plaît. Ah, dommage. Ah, dommage. Ouais, bah... Waouh ! Stop ! Stopping à Plémy, hein ! Là, je peux pas, là. Là, je... Voilà. Dans son petit cul. Arrête-toi ! Là, arrête de m'appeler ! Je me concentre ! Est-ce que tu peux arrêter de m'appeler une seconde ? Est-ce que tu peux faire ça pour moi? Est-ce que tu peux juste tout simplement fermer ta petite gueule? Je peux pas, hein. Franchement, ce passage, il est trop dur. Regardez. C'est tout ce que je mets là-dedans. Il repop en... Là je mets 8, voilà. J'ai plus de balles. Je n'ai plus... Tout Ashley, hein. On va tous mourir. J'en peux plus, j'en prends du relais, j'en peux plus. Bon.
Je vais me faire des balles de pupon, je pense, avec ce que j'ai. On va voir. On va voir, on va voir. Elle brille vraiment la tête, ouais. Elle fatigue de ouf, là, la petite, là. Ouais, elle va devenir quoi? Mourir probablement. T'en supplie, suis-moi de près. Non, 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 te tiens pas la tête, tu tiens pas la tête, tu tiens pas la tête. Oh, pète. Dommage, dommage, si seulement elle me suivait. Mais elle a décidé de pas me suivre. Mais dis-toi, juste suis-moi, je t'en supplie. Merde. Allez, tu recharges quand tu veux, mon grand. Allez, voilà. Ah, mais d'accord. Zéro qui veut fuck de ma tronche à ce point-là. Avec moi, elle. Je sais pas où est son point faible. Hein. Bonjour, pardon, j'essaie de faire comme Ashley et de crier tout le temps. Ça va, ça va, hein, ça va, année. Ah, c'est fort cordial hein, pour le RP, mais ça va, année. Toujours pas mort. Un putain de chargeur. Deux putains de chargeurs, je crois plutôt. Non mais vraiment ? Bon, allez, on loot. Allez, loot, s'il te plaît. J'espère que ça y a une sauvegarde là quand même. Oh, une plante, j'avais pas vu. Ashley, ça donne quoi elle qui crée H24? Non. Enfin, y a plein de scènes où elle parle, juste, c'est juste que bah oui, c'est une quête d'escorte en gros. Donc évidemment, comme toutes les quêtes d'escorte, bah celui que tu escortes, il fait rien quoi. À part se faire kidnapper, attaquer ou autre.
très très précieux. Hein. Je vais vraiment essayer d'oublier aucun pot. Ah, c'est pas ça que j'ai eu. Ah non, c'est ça. Ouais, je pense que là c'est bon. Ok. Enfer. Ah, il y aura une save auto quand j'aurai ça au pire. On va dire, ouais, je pense. Hein. Oh non, j'ai entendu. Oh non. Des petits bâtards quand même. À te faire un comité d'accueil là. J'ai loot tout ce qu'il y avait à loot dans cette pièce. Non, il était pas là-bas. Oh, des balles de peuple, j'y vais tellement. Ouais, nickel. Attendez, ça veut dire que je les ai pas loot? Ah mince, je les ai pas loot, je les ai vus, mais j'ai juste pas mis eux, mais ça les a pas pris. Bah non. C'est pas ici. Ah, c'est là. Oh, wow, je vais gratter ça. C'est trop précieux. Beaucoup, 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 trop précieux. Ok. IB. C'est compliqué, hein. J'ai pu ouvrir ça? Oui. Il faut que je fouille un peu mieux aussi. Mais bon, on voit rien, hein. Pourtant, comme d'hab, moi je mets les gammas assez élevés. Et il sort sa lampe torche que vraiment quand il fait très très sombre. Essoufflés de fou les deux JPP. Constamment, constamment. Alors je cours pas tant que ça quoi. Bon je cours quand même. Mais je lui dirais pas de barre d'endurance alors c'est pas comme si on pouvait calmer un peu les faire régène quoi. Juste ils font du bruit. Très belle imitation, merci. Je les ai un peu entendus. Non, c'est pas celle-là, c'est là. Salut, étranger. Yo, bro. Comment ça va, bro? Oh, il est déjà 2 heures, j'ai même pas fait gaffe. Bienvenue. Alors, qu'est-ce que t'achètes? Alors, attendez, je peux vendre, je pense, des trucs. Une fois, bienvenue. J'aime pas vu combien j'ai vendu. 27 000. J'espère que ça valait le coup. Si tu veux avoir une chance de survivre, je te conseille d'améliorer tes armes. Peut-être améliorer cette arme parce que bah, je trouve pas assez de balles de peupon. Donc je pense que je vais faire ça. Travailler le cardio un peu Léon et Ashley. Je suis d'accord, là il y a un sous les petits gars. Hein. Un couteau a besoin qu'on s'en tient. Vois ce que ça donne, l'ami. Quelqu'un comme toi devrait tout de suite remarquer la différence. En quoi tu reviens quand tu veux, surtout. Toujours un trouvé? Non. Toi, tu dégages l'odeur du combat. Il est très vexant. Alors, il y avait des rats à choper dans la bibliothèque, il disait, mais j'en ai trouvé qu'un. Et ça s'ouvre pas? Non. Je vais vérifier hein, que là, il n'y a pas de truc qui s'ouvre. Le loot, c'est trop précieux. Ah, mais ça!
Ok. Parce que j'ai trouvé qu'un seul rat en fait. Bon, on verra. Je vais faire ça déjà. Ah non. Je sais pas ce que je voulais faire, excusez-moi. Putain, c'est mon dos. Alors. C'est ici la suite. Hé hey, Léon, tu veux pas une armure? En guise de gilet pare-balles. C'est un peu trop vintage, je trouve. Dommage. Je suis sûre que ça t'irait bien. Vous savez que vous allez mourir? Dis ça comme ça. Hein. Je croirais dans un Marvel, quoi. J'ai pas très confiance. Ok, donc il y aura sûrement un délire avec les lanternes. Ashley, reste là-haut. D'accord, sois prudent. Ok. Elle s'écoule pas, elle. Je vais tellement prendre cher. Putain, c'est quoi cette connerie? Vas-y, ni d'armure. Je sais pas vous, hein. Dommage, j'aurais pu l'achever. Là j'ai gaspillé des balles parce que je suis sûre qu'il était pas... Ça lui fait rien du tout. Oh, ça lui fait rien du tout, rien du tout. Ouais. Ouais. Ashley, c'est bon. Mets-toi à l'abri. Ok. Ça me salit pas du tout en fait. Hein. En vrai, ça règle pas vraiment le problème, on est d'accord. Oui, oui, oui. J'ai plus de balles, Ashley. J'en ai marre. La camelote, ces chevaliers. C'est là. Oh mon dieu.
Il vient de dire... C'est de la camelote, ces chevaliers. C'est nul! J'aime bien le entendre... entendre acheter à la place de c'est nul. Oui, oui, hé, hey, oh! Waouh! Ah oui, mon héros. Il pétait un câble. T'es sûr que t'as rien? Je t'ai pas brûlé, j'espère. Non, merci du coup de main. Ça m'a bien aidé. Oh, j'ai plus de balles. Je survis, je ne sais pas comment. Attendez, faut que je tue le rat. En vrai, ils font que bouger, alors j'en sais rien et puis tant pis. Il manque plein de trucs, hein. Attendez, je regarde la map. Oh oui. Les Hidalblo, j'en ai essayé partout. On va revenir un peu en arrière. Je vais prendre l'arbalète. Ah, la pause est finie, je suppose. Oui. Bienvenue. J'ai plein de choses intéressantes à vendre, étranger. C'est pas là que je voulais aller, c'est pas là du tout. Ok, on prend le lance-carreau et on va pas du tout là. Faut que je trouve le train. Hein. Il y en avait 3, je crois. Là, j'en avais trouvé un déjà. Je pense qu'il y en a un dans chaque zone. J'ai pas trouvé de rats. J'étais un peu occupée. Et niveau idole bleue, enfin truc bleu là, il y en a ici. Non, j'ai pas l'impression. Non, mais y a pas de rats ici. Regardez. Bah dis donc. Je vais pouvoir récupérer, oui. Un sweet. Oui, je sais qu'il faut que je fasse au milieu. Salle à manger. Ah bah oui, j'ai pas regardé s'il y avait des trucs bleus dans la salle à manger. À ma gauche.
Ah oui. Oh si. Je peux récupérer le carreau. J'ai toujours très peur de ne pas pouvoir le récupérer. Ok. Le grand hall. Là-haut du coup, plutôt. Non, une dans le coin. Si j'ai bien lu la carte. Peut-être mal lu, hein. En tout. Ah oui, d'accord. Oh, et puis là, il y avait des trucs. Oh. Oui. Il m'en manque une. Mince, j'ai pas vu. Il manque un rat. Aussi. Ah, c'est en dessous ? Il est sorti par la bite, celui-là. Merci Freddyken, bienvenue à toi. Merci beaucoup. Oh mais ça j'avais pas vu. Tant pis. Il manque un rat. C'était où ? C'était quoi la description de... du truc du rat ? Zone Grand Hall, bibliothèque. Grand Hall, bibliothèque. Il est où la BU ? Là ? Pas de bibliothèque. Oh, j'avais pas vu ça. Bientôt je pourrai le vendre ce machin. Ah oui, et j'ai un truc à faire. Parce que j'ai chopé une pièce carrée. La pièce carrée, je pense qu'elle va ici. Comment je tourne ? Ok. Non, c'était bien. On a déjà eu aussi cette lampe. Alors comme ça, t'as terminé une requête. Bon travail. Alors, qu'est-ce que t'achètes ? Deux secondes. Ah non, faut que je la sertisse aussi. J'en peux plus de sertir des trucs. J'ai plus de trucs, moi. J'ai plus s'il faut. J'ai pas s'il faut. Bonne route. Bienvenue. Alors. Une arme peut être méticuleux jusque dans les moindres détails, c'est le secret. En quoi méticuleux que dalle, moi. Petit save. Bon, j'espère que le dernier rail sera là, on va voir. J'ai 40 balles de ça, ok.
Bon, on verra. Je fais des tests. Hein. Là, je suis sûr de rien. Là. Léo, derrière toi. Recule. Mais reste pas collé à la porte, vraiment ça ne sert à rien. Va te cacher. Parce que là il a une épée, mettons. Attends-moi, Léo. Ah, je parie qu'on va jouer Ashley. Du coup, au prochain. Ah bah maintenant en fait. Trop cool. J'ai pas d'arme. J'ai pas d'arme, mais j'ai une belle lanterne. Il y a des trésors ici. En vrai, Ashley, si tu peux loot un peu, tu nous mettrais Gucci, quoi. Ce serait dingus. Soyez pas deg, elle a un short. Oh, c'est cool, j'aime bien ces ambiances. C'est un rat. Oh mais du coup... Je vais pas pouvoir faire ma mission. Bon bah super. Ça va. Tiens, je t'éclaire. C'est joli cette lanterne. Les ancêtres qui reposent ici répondent à une heure choisie. Si tu cherches la protection divine, fais preuve de courage et ne crains pas les ténèbres. Mais bien sûr, du coup, faut que j'éteigne ma lampe. Je peux pas l'éteindre en vrai. Du loot et du loot. C'est fermé. De toute façon, je peux rien loot, j'ai envie de fouiller, mais je peux rien loot. Ça saoule un peu. Oh. Un escalier caché? Il doit y avoir une salle secrète en haut. C'est juste la première fois qu'elle fait autre chose que rien. Bon courage. Même quand elle fait un truc, elle sert à rien. Ah, le Fat Club d'Ashley qui s'exprime là dans le chat. Allô. J'ai pas ça, moi. Donc je pourrais revenir ici avec Léon, c'est sûr, je peux tout péter là. Trousseau de clés.
La petite pression. Oh punaise, mais oui, il y a du loot, incroyable. Ah, c'est ça, voilà. Dommage, j'y croyais. Y'a même que pour le coffre, mais ça n'a pas de sens. La petite pression là. Quel personnage infernal en fait, un peu ouais. Tu vois les épisodes avec Claire, t'as envie de pleurer et détresse en regardant Ashley. Mais Ashley, c'est pas pareil. Ashley, c'est juste l'archétype de la victime. Hein. Après, bah, le gameplay, c'est un petit peu. Voilà, ça permet un petit peu de varier tout ça. T'es en mode. Ouh, j'ai pas d'armes. Mais en soi. Elle est pas vraiment faite pour être jouée, quoi. Léon ! Léon ! Est-ce que ça va ? Mais j'avais... Ah non, j'ai rien dit. Je crois que j'avais trouvé un cube. La clé pour sortir de cet endroit maudit n'est autre que l'emblème des Salazar. Pour le trouver, je dois m'aventurer. Là où se trouvent ces satanées armures, le mausolée souterrain. Ô Seigneur miséricordieux, fais régner la justice sur le vil usurpateur, ce monde hystérique qui ramène. Ce monstre, pardon, hystérique qui ramène Salazar. Et que ta lumière bleue bénie protège ton serviteur. Fidèle serviteur. Les aiguilles bougent. Oui, je suis bien amusée. Ok. Peut-être que... C'était tout sans. Un peu foutu qu'il a cassé un pot, bordel, un pot! C'est vrai que c'est bien dommage. Ça m'arrangerait, j'aimerais quand même pas mal pouvoir loot un peu tout ça, moi. Qu'est-ce que je fous là, moi? Ah, oh, ouais, c'est vrai qu'elle se fait one shot. Ah oui, trop l'habitude avec Léon qui peut s'en prendre par la gueule. Même hardcore, hein, ça va, il a une bonne résistance. Désolé. Elle m'agace. Et du coup, bah, je viens de là, on est d'accord, non ? Tire-toi ! Là. Double. Attendez. Mais pourquoi je suis là en fait? Ça me sert à quoi là d'aller là? Je comprends pas. Ah, l'horloge. Il y avait une horloge en bas, c'est ça? Non. Non, je l'ai pas vue.
Et son truc à Léon. Tu m'étonnes. Mais j'ai toujours pas. Hein. Mais en fait, ça me sert à quoi de revenir là? J'ai pas les objets. Hein. Peut-être qu'elle pourra nous aider après, genre avec les armures. On va trouver un moyen de paumer la lampe là. Ah, je peux peut-être faire ça, genre. Non. Ça ne me sert à rien tout ça, on est d'accord hein. Ne retourne pas, ne retourne pas. Qu'est-ce que je fais là, Ashley? Pourquoi tu me ramènes ici? J'ai pas compris. Ah oui, d'accord. Faut que je mette 7 heures encore? J'étais pas obligée d'aller dans ce sens là, j'avoue, j'ai pas un réflexe. Il y avait une armure ici, elle n'y est plus là. C'est rigolo. Coucou Lette. Pardon, excusez-moi, je m'apprête à attaquer. Coucou. Je peux toujours pas casser un pot, ma grande. Dommage, ça m'arrangerait. Ça veut dire que je vais être obligée de revisiter tout ça avec Léon. Mais tu t'en fous, tu peux littéralement les figer comme Paige dans les dans Charmed. Non, c'était pas Paige du tout, c'était Piper. Ça existe la phobie des armures? Qu'est-ce que je viens juste de dire? Il va marcher comme une petite vieille. Oh, il est où mon petit sac? J'ai perdu mes clés. Non mais ça sert à rien que j'essaie de trouver du loot, je pense. Ah par contre ça me sert à quelque chose. La musique me dit, tu vas en chier. J'ai vu un truc ici. Ah, c'était ça. Qu'est-ce que fait OS, la petite? Ça se passe ici? Bon, écoute, on joue Ashley, donc ça pourrait aller mieux. Et toi, ça va? Qu'est-ce que je viens juste de dire? T'as dit... Mais t'étais pas en super forme aussi. Il y a R ici. Là. Il y a ça. Il y en avait encore un autre. Ça, c'est dommage ça. Et ça vraiment c'est dommage. Titi et Massy qui vient au bon moment. Ah, je suis un peu coincée, je crois. Il y a un truc là. Toujours celle-là depuis le début. Ah mais là je pense que ce sera pas celle-là.
pense que ce sera celle-là. Ah, mais oui, il y a des femmes bleues. Oh, l'armure dorée. Trop close. Je sens que celle-là, les flammes, elle en a rien à péter. On est dans un monde en noir et blanc. On est sur Twitter, quoi. Ça. Une autre lampe. Ah, je pose ma lampe. Oh, si on lit. Ah oui, d'accord. Je compris le principe immédiatement. L'avantage, c'est qu'elle a deux mains. Et ça, c'est pratique, quand même. Ah oui, d'accord. Mais j'ai compris. L'avantage, c'est que je suis allée en maternelle. Du coup, ça va. Je m'en sors à peu près. Mais si vous n'êtes pas allé en maternelle, vous êtes dans la merde. Imhotep, tep. Salazar. Non, la lumière. Encore. T'es dans la tête à sauce, ma petite. L'armure est trop bien. C'est quoi pire? Ah oui, d'accord. Okay. Soyez sympa, ne bougez pas. J'aime bien le principe des trucs qui se figent et tu sais pas quand ça va se défiger, mais tu sais un petit peu parce qu'en fait il y a du feu bleu. Mais j'aime bien. Ah, pardon, pardon. Je ne fais que passer, I am just passing. And I don't want to trespassing. C'est fou hein, de pouvoir qu'on les ascenseurs de pile poil se refarmer, paf, au moment où t'es censé mourir. Le pouvoir de l'ascenseur. The elevator power. Je rince mes chaussures. Voilà. En vrai, je le défonce. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Ah, j'étais à fond là. Celui de ces ascenseurs, enfin ces grilles d'ascenseurs. Ouais, bah c'est eux, hein. Ils ont des épées un peu. Un petit peu rouillax, quoi. Hein. Mais tout à l'heure, hein, c'est Léon, il l'a dit tout à l'heure. Hein. C'est vraiment de la Kaamelott, ces chevaliers. Il est beau, mais qu'est-ce qu'il doit fermer sa gueule? Ça s'est vu. Ouais, non, j'étais à fond. J'aime bien cette porte parce qu'elle me permet d'aller là où la mort n'est pas. Je me rappelle plus après. Les escaliers, je crois. Oui. Trop pas, hein. Nope. Il est malin.
Oh ça va, ils se sont... J'ai fait un piège à armure, regardez, ils sont trop deg. Ah c'était là. Oh, c'est... Totalement la douvière en fait. Totalement la douvière. Non mais oh, j'ai plus de lampe aussi. Bah je passe ici alors. Hein. C'est ça? Bah non. Attendez, je réfléchis. Mais dans ce cas-là, c'est par où? Mais ses bras, j'en peux plus. Même un T-Rex fait des trucs plus intéressants avec ses bras. C'est rigolo les T-Rex quand même. T'es pas en jupe avant, t'es deg hein. Et non, malheureusement, quand elle est accroupie, on ne peut plus mater son petit cul d'adolescente mineure. Alors attends, je vais par là. Ah mais non. Non mais ça ressemble à rien. Alors, c'est concept hein. Mais ça s'appelle un short. C'est comme une jupe. Tout pareil genre. Sauf qu'en fait c'en est pas du tout une. Parce que c'est un short. Et le truc de fou. Non mais attends. Je vais quand même... truc de fou. C'est qui paraît. Ça existe aussi chez les mecs. Mais ça, c'est une légende urbaine, je crois que personne n'a jamais mis de short chez les hommes. Hey! Short et jupe avec une couture au milieu. Ouais, et une jupe, c'est un pantalon sans couture. Là, je le sens bien. Pas du tout, ça dépasse de... 40 bons centimètres là. Putain, on va voir son look, ils auraient pu faire le look complet. Bah, ils ont refait tout en fait, hein. Tout a été refait. Elle a même une jupe culotte. Mec, il faut que j'aille. Bon, apparemment, je peux pas. Ah, oui, non, j'ai récupéré, j'avais oublié. Léo ? Ashley ? Tout va bien ? Ouais. Attends, je vais te sortir de là. Non, elle va saisir une arme avec ses mains. Ah non. Juste de la luck. Et là, ça rebondit sur la grille. Tu crois que tu peux descendre ? C'est très drôle que ça rebondisse sur un barreau et que ça parte vraiment très loin. Ouais, c'est jouable. Mais il y a un escalier, non ? Pardon, excusez-moi, mais le fait qu'elle ait même pas parlé et qu'elle ait juste gémi sans appeler Léon, ça me fait rire. Merde. Chapitre terminé. C'était Resident Evil 4.
Bisous la BOD, n'hésite pas à t'abonner.